Saint-Étienne a gagné un trophée, ses supportrices n'étaient pas encore nées. L'attente est donc énorme et l'entraîneur des Verts, Christophe Galtier, en a conscience depuis son arrivée dans le Forêt il y a plus de 3 ans. Quand vous arrivez, vous savez qu'il y a un manque quelque part. Personne ne m'a mené en voiture. Mon ami m'a dit « Je te souhaite la plus belle des choses, c'est de ramener un trophée avec la Saint-Étienne ». C'était en novembre 2008. Depuis, Christophe Galtier ne pense qu'à ça, ou presque. Il faut dire qu'à Saint-Étienne, les vitrines du club, remplies de trophées, avec 10 titres de champion et 6 Coupes de France, rappellent quotidiennement son histoire. On se doit d'être à l'image de ce que sont les gens autour du club, c'est-à-dire simple, généreux, parce que les gens ici sont généreux, et le partage, partager. L'attente du public est immense, celle des anciens Verts aussi, comme Robert Herbin à la tête de la SSE lors du dernier titre en 1981. Si l'état d'esprit qu'a su créer Christophe continue, cette équipe peut avoir un parcours de plus en plus grand. Les anciennes gloires de Saint-Étienne seront au Stade de France avec l'espoir de voir enfin la nouvelle génération remporter un trophée.